On va passer à la deuxième partie. Donc, je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un veut prendre la parole pour s'exprimer, donner un avis un peu sur ce que je viens de dire. Donc, je donne tout de suite la parole à... Bonsoir. Bonsoir Philippe Comte, bienvenue. Vous avez la parole. Pour cet exposé très très riche, et on a appris, je pense, tous beaucoup de choses, parce que nous ne sommes pas, d'abord nous n'avons pas les sources turcophones que vous avez, on n'a pas travaillé là-dessus, contrairement à vous, mais c'était vraiment très intéressant. On lit parfois justement dans les sources françaises que vous avez raison de critiquer, le fait que les Domnais, alors je les prononce très mal sans doute, hein, je l'ai vu écrit, mais je ne prononce pas les Domnais, enfin les Sabbatéens convertis à l'islam et qui auraient été encore influents pendant des siècles dans l'Empire turc, auraient au moment de la chute du califat, aider quand même beaucoup le kémalisme. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Et aussi d'autres disent, alors là aussi on ne prête qu'aux riches, on en rajoute peut-être un peu, par rapport au génocide arménien. Est-ce que vous voyez des éléments de Domnais dans ces deux événements importants de la Turquie moderne? Très bien, merci, c'est très intéressant comme question. Effectivement, c'est des questions centrales, et là-dessus, comme vous le voyez, j'aurais pas pu m'étaler encore sur ces questions-là, sinon il m'aurait fallu 3 heures. Mais je pense faire un deuxième épisode où je développerai aussi ces questions-là pour répondre à vos deux interrogations. Alors ça, c'est quelque chose de très connu. On a énormément de sources qui nous montrent qu'effectivement les Domnais, les Sabbatéens ont soutenu la chute de l'Empire ottoman. Ils étaient des agents actifs et ouvertement. C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à créer un mouvement, c'est-à-dire le comité Union et Progrès, qui est Itat Terraki en turc, qui est quasi constitué de Sabbatéens. Quasi intégralement. Hein, je sais que les nationalistes turcs, suivant lesquels, seront tout de suite là à essayer de contester en disant « Mais non, attendez, c'était des bons sabbatéens. » La question, c'est pas de juger, ou etc. Ou, c'est pas du tout ça. Mais fondamentalement, réellement, ce sont des descendants de ces familles sabbatéennes, qu'on retrouve d'ailleurs à Montreux. C'est-à-dire que ce sont les jeunes turcs, en fait, en réalité, ce qu'on appelle le mouvement des jeunes turcs, qui a créé le comité Union et Progrès. Ce comité Union et Progrès ensuite était constitué de d'autres que les Sabbatéens aussi, mais de base, ce qui a insufflé cette idée, c'est les jeunes Turcs, et les jeunes Turcs, on sait, entouraient Mustafa Kemal, et Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie, était entouré d'énormément la majorité des gens qui l'entouraient étaient des Domnais ou des Sabbatéens. Maintenant, est-ce que, au-delà du fait qu'ils aient été actifs
pour la, la c'est-à-dire pour l'abolition du califat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette communauté, on peut aussi voir les choses comme ça, d'une manière radicale, extrémiste, a soutenu les idées laïques, républicaines, parce qu'elle a compris que c'est ça qui lui permettrait de vivre dans le temps, dans cette géographie encore, et à y rester. C'est-à-dire qu'avec la charia, ça ne pouvait pas continuer. Et donc, de facto, voilà, ça devenait de plus en plus difficile. Donc, les républiques, enfin les États-nations naissants, à la fin de la Première Guerre, ces acteurs, je dirais plutôt de l'histoire moderne turque, se sont mis d'accord autour de cette idée de laïcité, de révolution républicaine, etc., sur le modèle français, etc., etc. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'ils ont été ceux qui ont insufflé, mais parce que c'est un trend et un paradigme aussi. C'est-à-dire qu'à cette époque, déjà depuis deux siècles, dans l'Empire ottoman, un peu moins, peut-être 150 ans, vous avez déjà des contre-courants. Vous avez déjà la Turquie moderne qui est en train de se créer. Vous avez quasi un siècle avant la chute de l'Empire ottoman, vous avez déjà des fascicules révolutionnaires communistes, français, etc., qui circulent ici et là, et qui sont évidemment transmis par des mains de gens issus des familles sabbatéennes. Mais pourquoi ? Parce que ce sont des familles cosmopolites. Ce sont des familles qui ont des liens avec d'autres familles ailleurs dans le monde. Ce sont des familles extrêmement cosmopolites, qui sont pour le libre-échange, c'est-à-dire pour le commerce, en fait. Le commerce avec le Nouveau Monde, d'ailleurs. C'est-à-dire, ici, ce qu'il faut voir, c'est que ces familles ont des liens avec... une partie de leur famille se trouve aussi à Boston, se trouve aussi à Londres, se trouve aussi, etc., etc. C'est forme de bourgeoisie comprador, en fait, une forme de bourgeoisie comprador. Exactement. Voilà, penserait plus d'un point de vue mondial que d'un point de vue national. Exactement, tout à fait. C'est un peu en contradiction avec la volonté dite nationaliste des jeunes turcs qui considèrent justement le peuple turc et non plus l'empire ottoman. Il y a une sorte de contradiction dialectique que vous allez pouvoir sans doute nous expliquer. Oui, il y a une contradiction. Il y a une contradiction en termes d'idées ici parce que, si vous voulez. Eux, ce sont des importateurs d'idées. Ce sont pas, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il faut fonder un nationalisme turc pour fonder un État. Donc en fait, ils deviennent plus nationalistes que le nationaliste. Alors qu'à l'origine, ils ne viennent pas d'un ils ne sont pas, ce sont des inventes, si vous voulez, des artisans, des artisans du nationalisme qui est en construction. En essence, et dans cette construction, ce sont des acteurs clés. Ils voient ce qui se passe en Europe et ils se disent c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Ils se posent pas de questions. Ils se disent le trend ça va être ça, donc il va falloir qu'on soit nationaliste. Alors ils deviennent encore plus nationalistes que nationalistes. Ça c'est intéressant à voir parce que au début de la fondation de la Turquie, les idées fascisantes au niveau de la pratique, elles s'expriment comme l'interdiction de parler d'autres langues que le turc dans la rue. Vous avez par exemple, et à tel point, alors après, ils se retrouvent un peu comme des cons. Vous avez un auteur juif turc, Jafat Bali, qui a publié trois livres
sur le rôle des, entre autres, le rôle des Juifs dans la fondation de la Turquie, mais aussi dans la création du nationalisme originel républicain turc. Et là, il explique dans une anecdote, il dit que voilà, alors ces Juifs qui étaient pour l'interdiction de parler une autre langue que le turc dans la rue, en fait, c'était pour viser les Arabes, pour viser, enfin, la langue arabe. Et ils se sont retrouvés comme ça à un moment donné où des Juifs se sont fait arrêter parce qu'ils parlaient le français ou l'anglais dans la rue, quoi. Donc là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait un peu trop, quoi. Ils en avaient fait un peu trop. Ils ont fait marche arrière, etc. Donc on est vraiment sur un champ expérimental. Et donc dans le champ expérimental, le personnage cosmopolite qui fait de l'argent, qui est pour la puissance de sa famille, etc., lui, il se dit bon, nationalisme, très bonne idée, parfait, donc il devient encore plus nationaliste que n'importe quel nationaliste naissant. C'est un peu ça l'idée. Maintenant, pour les Arméniens, je pense que ici, alors moi je ne suis pas très habilité à parler des Arméniens pour la raison suivante, c'est que c'est très complexe comme question dès qu'on aborde l'histoire des Sabbatéens avec la question arménienne, puisque précisément ceux qui vous disent qu'il n'y a pas eu de génocide arménien ou qui remettent en question la terminologie de génocide, en réalité, essayent de faire porter le chapeau dans leur thèse à eux, qui sont d'ailleurs, qui tombent sous le coup de la loi en France, en Suisse aussi. C'est comme les chambres à gaz ou le révisionnisme, etc., par rapport à ces questions-là. Vous avez une interdiction au niveau. Il y a une loi mémorielle sur cette question-là. Mais vous pouvez quand même étayer et développer. C'est pas non plus. Voilà. Et moi, ce que je peux dire sur cette question-là, c'est que les thèses qui sont mises en avant par, les idées interdites, c'est ceux qui disent que, en gros, les Juifs ont fait massacrer des chrétiens à des musulmans. Voilà, c'est un peu l'idée qui ressort de tout ça. Est-ce que ça a un fondement? Je pense que ça a un fondement, parce que il y a, à la fin de l'Empire ottoman, il y a une espèce de concurrence entre les communautaires pour se faire bien voir par le pouvoir ottoman. Hein. Et chacune essaye de gratter pour monter. Ici, dans cette concurrence, ça aurait pu être les Arméniens qui auraient pu faire zigouiller les Juifs. Si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que ça s'est tourné autrement. Mais ça s'est tourné autrement aussi parce qu'il y a des précédents. Il y a des précédents régionaux. Et ces précédents régionaux, c'est-à-dire parce que si vous prenez le sud-est de la Turquie actuelle, vous avez à cette époque-là, à l'époque des pogroms, des massacres d'Arméniens et des déportations massives d'Arméniens, vous avez en fait, alors je ne sais pas si c'est moitié-moitié, je ne pense pas, mais vous avez, certes les Arméniens habitent sur une zone où il y a, où en fait ils se partagent le territoire du sud-est de la Turquie avec les Kurdes. Donc en fait, ce qu'on fait croire aux Arméniens, c'est l'Empire est en train de se péter la gueule, il va falloir, vous pouvez, par une lutte de libération nationale, créer une grande Arménie. Et de l'autre côté, vous avez dans le pouvoir ottoman une élite arménienne qui, elle, essaye de grimper et puis de monter les échelons, etc. Et elles ne sont pas en coordination. Et c'est pour ça que vous avez probablement quelque chose d'un peu spécial qui s'est passé entre, on va dire, Sabbatéens et Arméniens, puisque dans cette lutte du pouvoir de qui va décider de quoi, il y a eu à un moment donné, je ne sais pas si on peut dire que les Sabbatéens ont fait tuer les Arméniens par les Kurdes, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. J'ai des doutes sur le fait que ça se soit passé stricto sensu de cette manière-là. Au niveau des cadres de Union et Progrès, on a quasi systématiquement
des Sabbatéens. Si je prends Talat Pacha, si je prends Enver Pacha, voilà, mais de nouveau, on a affaire à des musulmans. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un point. Alors, c'est bien, parce que votre question, elle va me permettre de développer quelque chose très rapidement. C'est que on fait une erreur quand on parle des Sabbatéens. En réalité, il faudrait parler de famille et de capitaux de famille. Parce que vous avez au sein de ces familles, en fait, la plupart des individus de ces familles se considèrent comme musulmans. C'est-à-dire, ils ne pratiquent pas le judaïsme d'une manière cachée, à la maison, etc. Ils sont devenus, par le temps, si vous voulez, ils se sont sécularisés. Ils ont laissé leurs pratiques juives de côté, les pratiques musulmanes les ont remplacées, et puis, mais d'une manière culturelle plus qu'au niveau de la pratique. Voilà à peu près comment les choses se sont passées. Et donc, on a affaire à des cosmopolites juifs devenus musulmans, des cosmopolites d'origine juive devenus musulmans avec le temps, parce que de facto, ils avaient une appartenance multiple, ont pu accéder à des postes d'État qu'un Turc moyen ne pouvait pas accéder à la création de la République. Il fallait des gens qui parlent plusieurs langues, il fallait des gens qui soient calés en telle ou telle chose, des gens éduqués, des gens formés, des gens qui ont fait des études, etc. etc. Et ça, eh bien, on ne le trouvait pas dans la campagne de Malatya, de Kayseri, ou de je ne sais pas où, au sud-est de la Turquie, ou au centre anatolien. Et donc, il a fallu aller dans les villes, et le sabbatéisme, c'est surtout un mouvement urbain. Et ça, c'est important de le dire aussi, c'est un mouvement urbain, ce sont les familles urbanisées, urbaines, qui sont dans qui ont déjà un lien avec l'industrie. C'est-à-dire qu'à la fondation de la Turquie, il faut de l'industrie, et eux ont déjà les mains dans le cambouis, si je puis dire. Ils sont déjà dans le business industriel, dans la fabrication, dans les usines, etc. D'ailleurs, les premières usines turques sont des usines de familles sabbatéennes, les premières usines après la fondation de la Turquie. Ça explique ce que ça explique, mais ces familles, comme je le dis, si on prend ces familles en question, qui sont toujours en Turquie, hein, pour la plupart, sont tout à fait turques. Les gens du quotidien, les Turcs du quotidien, qui s'intéressent aux questions politiques, savent qui ils sont. On sait quel artiste vient de ces familles-là, quels chanteurs, quels acteurs, etc. Il n'y a pas un tabou là-dessus. Il y avait un tabou. Et puis maintenant, il n'y a plus de tabou sur cette question en Turquie. On sait qui est qui, en fait. Mais en fait, les gens s'en foutent, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent au point où, ils savent que voilà, vous avez une diversité dans les élites turques. Et puis que voilà, vous avez aussi la composante juive, arménienne, etc. aussi, quoi. Mais effectivement, le champ de l'audiovisuel est très représenté par les familles sabbatéennes. Ça, c'est une constante. Les stars du rock, de la pop, de toutes ces musiques progressistes viennent de ces familles-là. D'ailleurs, on peut remonter jusqu'à des familles new-yorkaises. Ahmet Ertegun, il en vient. C'est celui qui a découvert, enfin qui a en tout cas commercialisé le jazz. Atlantic Records. Voilà, c'est Ahmet Ertegun. C'est justement un juif sabbatéen d'Istanbul qui quitte Istanbul, se pose à New York, découvre le jazz, le commercialise, etc., etc. Bref, un autre s'appelle Ahmed Arif. Ahmed Arifi, je crois, ouais, c'est ça. Non, pardon, Arif Mardini. Et lui aussi, c'est en fait ces deux familles. Là, de nouveau, je crois, c'est une histoire de Karakash et Kapan, de nouveau. Et la famille des Mardin, c'est, je ne sais plus quel label c'est, mais c'est de l'ordre de Atlantique aussi, c'est du même genre. Et ils se sont fait la concurrence à New York pendant très longtemps. Et lui, il a découvert, par exemple, des talents comme Norah Jones, etc. quoi. Voilà. Et donc, en fait, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, vous avez des cosmopolites, quoi. Des businessmen, quoi.
Et donc, la fondation de la Turquie, c'est intéressant, c'est des businessmen nationalistes qui ont fondé la Turquie, quoi. Voilà, des businessmen nationalistes. Ils se sont dit, on crée un État, maintenant, c'est un État, ça doit correspondre à ces critères fachos, un peu nationalistes, tout le monde parle la même langue, un drapeau, une race, une... là, terminé, quoi. Et donc... mais ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ces familles, enfin, les mêmes qui ont soutenu ça, sont les mêmes qui ont soutenu un certain libéralisme en Turquie, et puis le fait de un peu desserrer la ceinture. C'est-à-dire, ce sont les mêmes qui, dans les années 90, étaient pour une ultra-libéralisation d'absolument tout. Donc on a, à partir du milieu des années 90, l'apparition des chaînes de télévision, enfin début des années 90, l'apparition des chaînes de télévision privées, etc. Et donc on a le développement musicalement, par exemple, au début des années 90, c'est la pop turque qui commence à exploser, on voit des nichons partout, vous vous souvenez peut-être de Tarkan, donc il y a eu tout un truc dans le milieu de l'industrie musicale turque, très pop, très chaud, très moitié à poil, très sexy, sexuel, etc. Et puis, qui était derrière tout ça, derrière la promotion de cette ouverture au monde occidental d'une manière sauvage, eh bien, c'était souvent des gens qui étaient issus de ces familles-là. Et pourtant, leurs ancêtres, leurs parents, étaient des ultranationalistes. Donc, ça veut absolument rien dire. C'est tout d'un coup, on choisit un... Il y a un paradigme, et eux, en fait, ça veut dire qu'ils s'adaptent absolument très bien au nouveau paradigme qui arrive, quoi. Et ils savent sur quoi il faut miser pour faire de l'argent. C'est aussi simple que mon jeu. En fait, pour moi, ça se résume à ça. Maintenant, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, si d'autres... Alors, je voulais savoir, parce que qu'une crypto-religion ou une caste, ou je ne sais pas très bien comment définir les sabbatéens, mais pour qu'ils puissent ne pas se diluer pendant 3 siècles et demi, il faut qu'il y ait une forme d'endogamie. Il faut que ces mêmes familles se marient entre ces mêmes familles, de manière à ce que si il y avait des mariages entre guillemets mixtes avec des musulmans non sabbatéens ou je ne sais pas, ou avec des chrétiens orthodoxes ou autre, etc., bien finalement l'héritage sabbatéen finirait par se diluer. Y a-t-il donc un principe d'endogamie chez les sabbatéens? Alors, il y a des principes d'endogamie dans les trois groupes. Chacun a son type de principe d'endogamie, c'est-à-dire vous avez un des groupes qui passe par, c'est-à-dire je crois que c'est les Yacoubi, sauf erreur. Pour eux, il faut, c'est-à-dire qu'un sabbatéen doit se marier spécifiquement avec une chrétienne et spécifiquement arménienne pour élargir le champ. Et pour les deux autres, c'est l'endogamie la plus totale. Ils ne font que se marier entre eux. Par contre, ce qui importe, c'est le premier mariage. Et pour une histoire c'est pour une histoire d'héritage, je sais plus quoi. Et puis ensuite, c'est des vous cumulez en fait des conquêtes, hein, si on veut, mais en soi, en fait, vous vous mariez qu'entre vous, quoi. Et puis le mariage qui compte entre vous, c'est votre communauté qui le sait. C'est pas parce qu'ensuite vous vous mariez avec quelqu'un d'autre, publiquement, par exemple vous êtes une personnalité publique, un politicien, vous pouvez vous marier 3 fois, 4 fois, etc. Le mariage qui est rendu public, c'est une chose, mais le mariage réel, familial, connu secrètement par votre communauté, c'est une autre chose. Donc, vous avez la polygamie d'une manière assez spéciale. Vous avez les pratiques du judaïsme qui ne sont plus du judaïsme, en fait. En réalité, ce qui est important de dire ici, c'est que c'est une forme de judaïsme contre-courant absolu, quoi, une sorte de satanisme du judaïsme, un judaïsme inversé, hein. C'est-à-dire que là on est dans une inversion du judaïsme. D'ailleurs, le reste de la communauté juive ne les considère pas comme juifs, ils ne sont pas considérés comme juifs, ils le sont maintenant depuis une dizaine d'années parce que
Vous avez Israël qui doit amener des juifs en Israël, hein, pour leur démographie, c'est important. Et donc, le champ des critères est beaucoup plus large pour être considéré comme juif ou avoir la nationalité israélienne. Et on inclut aussi les sabbatéens, les 2 mai, etc. maintenant. Sinon, par la communauté juive, ils ne sont pas considérés comme juifs. Ils sont d'ailleurs que dans la transgression en termes de pratique du judaïsme. C'est-à-dire, quand je dis transgression, c'est la transgression la plus totale, puisque c'est le péché par la rédemption, des concepts comme ça. Et d'ailleurs, un fait assez intéressant, assez troublant, qu'on peut signaler ici, hein. Je fais monter encore quelqu'un qui souhaite monter, voilà. D'ailleurs, un fait assez intéressant, vous avez, quand on parle d'endogamie, ça c'est important de le signaler, vous avez ce qu'ils appellent le Mumsundu, c'est-à-dire la bougie éteinte. Alors il y a tout un débat autour de ça, est-ce que les sabbatéens sont culturellement des partousards, c'est un peu ça la question, aussi pour ceux qui vont chercher les conspirations, le complotisme, etc. Et effectivement, il s'avère que ça existe. C'est pas que ça existe, c'est-à-dire que ça a existé. C'est-à-dire qu'ils sont allés tellement loin dans la transgression qu'effectivement, ils sont allés jusqu'à des pratiques où, une fois par année, deux couples vont se réunir, et puis une fois qu'on aura éteint la bougie le soir de Shabbat, tout le monde, tout est permis, tout le monde peut coucher avec tout le monde. Alors moi je pensais que c'était une sorte d'accusation un petit peu pour discréditer cette communauté, et en fait non, réellement ça a existé à tel point que vous avez des personnes de cette communauté qui se sont exprimées sur cette question-là il y a quelques années pour dire que au début du siècle dernier c'est une pratique qui a été abolie. Hein. Mais de nouveau, ça ne concerne pas tous les sabbatéens, hein, ça concerne une branche, je ne sais plus si c'est les Kapanes ou les Karakash. Vous avez une autre de ces trois, alors là, je ne sais plus de nouveau si c'est les Kapanes ou les Karakash, c'est soit l'un, soit l'autre à chaque fois. Les Yakoubi, c'est un peu plus limité. Donc, et eux, en fait, si vous voulez, quand vous avez une nouvelle mariée, sa virginité, en fait, va être enlevée par le rabbin de la communauté. Hein. Parce que si l'enfant est né du rabbin, de la semence du rabbin, ça sera une lignée. Il est donc important que voilà, etc. Donc le nouveau marié donne sa femme au rabbin, etc. Bon, c'est des pratiques qui ont disparu avec le temps, apparemment. Est-ce qu'elles sont encore pratiquées? Je pense que c'est discutable dans le sens où on parle de communautés extrêmement restreinte. Aujourd'hui, on a on a une plateforme. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette plateforme qui existe sur Internet, où les sabbatéens du monde entier, enfin les descendants de sabbatéens, se réunissent pour communiquer, discuter et puis parler, etc. Et pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui a disparu. Donc, plus personne est dans ce type. Soit les gens ont quitté le... Si vous voulez, en fait, c'est simple. Il y a trois voies possibles. Soit les gens issus de cette communauté ont quitté le sabbatéisme pour devenir des juifs, c'est-à-dire, ils ont décidé les juifs et tout. Soit elles ont décidé d'être musulmanes, soit elles ont décidé d'être athées, en fait. Il n'y a pas 36 000 chemins. Mais il n'y a pas de structure sabbatéenne officielle, institutionnalisée, à l'heure actuelle, en 2024, hein, qui unit tel et tel groupe sabbatéen, etc., etc. Donc là, on est sur quelque chose qui a complètement disparu, mais par contre, qui a donné naissance, c'est-à-dire Sabbatai Sevi, ça a donné naissance à quelque chose de plus puissant que Sabbatai Sevi lui-même, si on veut, parce qu'un siècle plus tard, c'est un certain Jacob Frank
qui reprend Sabbatai Sevi pour se réclamer de Sabbatai Sevi. Donc là, ça c'est encore une autre histoire. Là, on arrive, si on estime que ceux qui suivent Jacob Frank sont aussi des sabbatéens, et bien dans ce cas, alors là, effectivement, la communauté sabbatéenne, tout d'un coup, elle réapparaît. Moi, je parle des sabbatéens originels avec Sabbatai Sevi jusqu'à la mort de Sabbatai Sevi, ce qui arrive ensuite sur la zone de Thessalonique et de l'ouest de la Turquie actuelle, Izmir, Istanbul, etc. Voilà. Alors, il y a Cardelan qui lève la main. Salut Cardelan, bienvenue. Oui, merci Lennette. Bonsoir à tous. Bah, tu viens justement de t'emboîter avec. Je voulais parler de Jacob Frank et de du lien que, puisque Philippe Comte a posé la question, comment ce lien a pu se permettre, parce que c'est quand même presque un siècle plus tard. Et Jacob Frank s'est réclamé comme l'héritier légitime de Sabbatai Tsevi, et même j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un de. Sa réincarnation, l'héritier de voilà, sa réincarnation. Voilà, ouais. Et quelqu'un de plus sulfureux encore. Alors comment ceci a pu perdurer, effectivement, c'est vraiment troublant, quoi. Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Merci. Mais là aussi, c'est après, ça devient très compliqué. Comment est-ce que ça peut se perdurer? En fait, ce qui se perdure, pour moi, hein, ce qui se perdure, c'est pas le sabbataïsme ou telle et telle chose. C'est-à-dire que c'est au sein de la diversité juive où on a des groupes très très sectaires et très périphériques des fois qui se font et se défendent. Excuse-moi de te couper. Cette fois, c'est une fausse conversion au christianisme. Donc ça, tout ça, ça les gêne pas hein, d'épouser la religion d'État où ils se trouvent et de se mêler un petit peu comme ça et accéder au pouvoir. C'est quand même très troublant tout ça. Non, bien sûr, bien sûr. C'est, je veux dire, c'est une forme développée de maranisme. Comment dire, quand on arrive, ce qui est important de voir ici, c'est surtout ces 50, 60, 70 dernières années, en fait. C'est ça qui est important de voir. C'est-à-dire que si vous remontez 2 siècles avant, 3 siècles avant, 4 siècles avant, etc., bien sûr que ce qui vient d'apparaître est fort dans sa pratique, mais ça s'estompe à travers le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un descendant de Sabbatéen, souvent il sait même pas qu'il est descendant de Sabbatéen. Tout d'un coup, il se renseigne et puis il apprend que de ses ancêtres, etc., etc. Je veux dire, ça comment vous pouvez l'expliquer? C'est-à-dire qui aujourd'hui, au nom des Sabbatéens ou au nom de Jacob Frank, fait perdurer quelque chose. À mon humble avis, bon, sur Jacob Frank, je m'exprimerai pas. J'ai pas étudié de manière pointue, mais en tout cas pour moi, le sabbatéisme s'arrête sur le périmètre des Balkans. Ce qui vient après, c'est autre chose. C'est-à-dire, ça, c'est moi, je mets une rupture là-dedans. C'est pas parce que Jacob Frank apparaît qu'il a un lien direct, que c'est une continuité directe du sabbatéisme. Pour moi, il y a une rupture. Ce ne sont pas les mêmes familles, même si elles se sont, à un moment donné, dans leur descendance, croisées ou connues, etc. Mais je veux dire, tous les juifs connaissent tous les juifs. On parle du monde juif, on parle pas non plus de... Voilà, donc tout le monde connaît tout le monde, manière de parler. Tout le monde peut fréquenter tout le monde, quelque part. C'est pas parce que il y a des convergences, à un moment donné, dans la descendance de ceux qui suivent Jacob Frank, avec des descendants de Sabbatéen, qu'il y aurait un plan messianique qui dure, etc., etc. Là, ça devient beaucoup plus complexe de maintenir quelque chose. Par contre, est-ce qu'il y a une tradition juive messianique, kabbalistique, qu'on veut continuer à utiliser politiquement aujourd'hui pour arriver à des résultats en termes d'efficacité étatique, etc. Je parle d'Israël, j'ai aucun doute.
C'est-à-dire pour les concepteurs d'Israël à l'heure actuelle, Sabbataï Tzevi, c'est un révolutionnaire. C'est un révolutionnaire avant l'heure, c'est un gars rock'n'roll, c'est un gars laïque, c'est, etc., etc. Pour leur narratif à eux, ils ont besoin évidemment d'utiliser leur histoire. Mais il se trouve que dans leur histoire, celui qui est punk rock'n'roll, c'est Sabbataï Tzevi qui brûle la Torah, qui se balade à poil ou qui se retrouve et qui devient même musulman, qui etc etc quoi, qui fait les trucs les plus dingues parce que c'est il est dans la transgression vraiment totale. Donc cette transgression là. Est-ce qu'ensuite c'est une constante dans toute d'une manière beaucoup plus globale, je le pense pas réellement. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement, c'est très très marginal, très voilà. Et généralement on utilise ce qui est marginal. L'État d'Israël aujourd'hui a besoin de mythes fondateurs. Ce Sabbataï Tzevi, c'est le sioniste avant l'heure, c'est-à-dire tous les juifs, unissez-vous sous la bannière du Messie, etc., etc., quoi. Voilà, hein. C'est une histoire de conquête, en fait, finalement. Il ne faut pas oublier que ce Sabbataï Tzevi, il voulait arriver à la tête de l'Empire ottoman. Faut voir un peu faut aussi voir un peu le truc comme ça, tu vois. Donc, et voilà. Alors, Ting, salut Ting, bienvenue. Ouais, bonsoir à tous. J'ai une question par rapport au sujet. Je voulais savoir, moi, à l'époque de Sabbataï Tzevi et ensuite à l'époque de Jacob Frank, à quel point, parce qu'on nous dit en fait que ce sont des mouvements un peu d'hérétiques, en fait, hein, Jacob Frank qui a réuni à peu près, selon Wikipédia en tout cas, 50 000 adeptes. C'est censé être un mouvement d'hérétiques qui ne suit pas les croyances du dogme du judaïsme, en gros, voilà, ils sont différents. Et Sabbataï Tzevi aussi. Et du coup, je voulais savoir du coup à quel point du coup ils sont rejetés de la communauté des élites de cette époque, de ces époques-là, des élites juives, disons, de la société de ces époques-là. Sont-ils rejetés ou sont-ils à quel point comment sont-ils vus en fait? Est-ce qu'il y a un rejet dans les faits ou est-ce que c'est un rejet simplement dans les paroles? Complètement. Il y a des guerres hallucinantes. C'est pour ça que je ne vais pas dans Jacob Frank, parce que c'est-à-dire plus on se rapproche de 2024 et plus on a de sources et de choses et d'éléments. Et Jacob Frank, c'est plus proche que Sabbataï Tzevi. Donc vous avez beaucoup plus d'éléments. Mais surtout, il y a beaucoup plus de mouvements avec Jacob Frank. Avec Jacob Frank, vous avez, c'est-à-dire clairement, dans la diaspora juive, dans les diasporas juives, vous avez des guerres, mais des trucs hallucinants. Ils se font des. C'est l'Inquisition. Littéralement l'Inquisition, c'est-à-dire que j'ai pas devant moi les textes et tout ça, mais et c'est au niveau international, c'est-à-dire il y a un foisonnement de courants, de contre-courants qui se font la guerre, c'est comme la gauche en fait, si tu veux, c'est comme d'ailleurs les Turcs qui sont qui sont issus des courants de l'islam politique turc, eux en fait, pour eux en fait la gauche c'est une invention sabbatéenne, voilà, c'est-à-dire les idées de gauche, le communisme, etc., tout ça c'est sabbatéen. D'ailleurs on peut remonter de Marx, on peut remonter à Jacob Frank, hein. C'est tout ça, c'est à peu près les mêmes généalogies, en tout cas c'est des généalogies qui se croisent, qui se flirtent, etc. Il est de Trèves, Marx, etc. Enfin, on remonte assez facilement apparemment. J'ai pas vérifié, hein, je vous dis ça comme ça, j'ai pas vérifié, mais ça m'étonnerait pas. Il y a pas de Marx, j'ai pas vu de filiation. Par contre, il y a une filiation importante aujourd'hui, c'est Brzezinski. Brzezinski c'était une des familles juives qui se sont converties au catholicisme au moment de Jacob Frank.
Alors, est-ce que la famille Brzezinski a gardé, ou est-ce que c'est carrément converti au catholicisme et a après oublié ses racines? Ça, je n'en sais rien. Mais par contre, il y a une descendance directe de côté Brzezinski avec les franquistes. Alors, il y a une chose, cher Philippe, je voulais vous dire quelque chose d'intéressant sur cette question-là, c'est la dissimulation, le fait de garder un secret. C'est-à-dire que la matrice, que ce soit dans toutes les communautés qui suivent Jacob Frank ou Sabbatai Zevi, c'est-à-dire plus longtemps vous gardez un secret et plus vous êtes glorifié par Dieu ou Yahvé ou je ne sais pas comment. Enfin, voilà. Et disons que c'est quelque chose de gratifiant de garder un secret, de ne rien divulguer, quoi, en fait. Et donc, ce qui crée une psychologie bien, bien spécifique. Ça ne veut pas dire que vous pratiquez le judaïsme en cachette. Il n'y a pas lieu de le pratiquer en cachette, puisque, par exemple, ne serait-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de le pratiquer en cachette. Vous pouvez le pratiquer ouvertement, enfin, voilà. Et même, en fait, à l'époque ottomane aussi, hein, d'ailleurs, hein, en fait, en réalité. Ça, tout ça, c'est un gros trip sectaire, très, très marginal, hein, il faut le dire. À la création, à la fondation de la République, vous avez des acteurs qui sont ouvertement juifs. Ouvertement. Donc pourquoi est-ce que d'autres devraient se cacher si vous avez voilà. Donc il n'y a pas besoin d'en faire non plus un monstre, un mythe comme si c'était une voilà. Mais par contre, ce qui est enseigné, c'est le secret. Ça veut dire que il y a quelque chose de l'ordre des renseignements là-dedans. Si je puis dire, je vais. Alors là, c'est discussion de comptoir hein, que je vous fais, mais j'ai pas encore les éléments. Je suis pas encore sur ces points-là, mais je sais que une des spécificités, évidemment, du renseignement, c'est le fait de garder un secret, etc., etc. Mais que le fait que tout à l'heure, quand je vous ai parlé de Nathan de Gaza dans mon exposé. Évidemment, je vais pas vous dire c'était un agent secret, etc., etc. Mais ce sont déjà des formes en tant que missionnaire, des formes d'agents secrets, parce que on voit qu'en très peu de temps, ils se font trois continents, Inde, Europe, Asie, enfin comme c'est Moyen-Orient en deux temps trois mouvements, Afrique en deux temps trois mouvements, et puis l'information circule à une vitesse folle. Tandis que d'autres, ils sont à dos d'âne, quoi. Donc à partir de là, on a une idée de. C'est-à-dire, tout est une question de circulation de l'information. Et je pense que c'est une. Les descendants de ces communautés-là ont développé d'une manière très, très obtuse, très pointue, cette question de faire circuler l'information et de tenir au secret. Voilà. Et je pense que c'est un peu la clé du paradigme, quoi, en fait, hein, de tout ce truc-là. Maintenant, pour Brzezinski, on peut même remonter plus loin, si on peut même remonter aux familles fondatrices des États-Unis. Mais là, de nouveau, quand on arrive chez Jacob Frank, on arrive sur l'Europe et je maîtrise pas, je veux pas dire de voilà, on peut prendre la première déclaration des droits de l'homme, je crois, là aussi on va retrouver au niveau de l'arbre généalogique, on va retrouver de nouveau un descendant sabbatéen. En fait, on va les retrouver partout. On va les retrouver dans la fondation des Nations Unies. On va les retrouver. On va aussi en retrouver. D'une manière beaucoup plus bizarre, même peut-être chez les nazis, j'en dirai pas plus, etc., etc. Enfin, voilà. C'est une fois qu'on ouvre ce champ-là avec Jacob Frank, je pense que l'idée, elle part d'abord de Sabbatai Zevi et qu'elle devient virale, surtout avec Jacob Frank. Quoi, en fait, c'est surtout Jacob Frank sur lequel il faut s'attarder si on veut chercher des histoires de filiation. De famille, etc., etc. Mais en tout cas, pour les sabbatéens originels, je pense que c'est complètement dilué et qu'aujourd'hui, c'est très, très marginal. Je parle des sabbatéens originels, c'est-à-dire ceux qui seraient encore à Thessalonique, à Izmir, à Istanbul, etc. Quoi. C'est dérisoire, en fait, quoi, en termes de nombre. Quoi. Tellement dérisoire que, voilà, quoi, c'est même plus en voie d'extinction. Ça a disparu, en fait, pour moi, quelque part. Par
contre, pour Jacob Frank, là, voilà. Là c'est autre chose, effectivement. C'est un autre domaine. Alors, j'avais voilà, une autre question, moi, c'était par rapport ouais. toujours à sa bataille de vie ou Jacob Frank, c'est de savoir si. Bon, c'est Youssef Indy qui les appelle comme ça, mais c'est basé sur. Ils appellent des mouvements messianiques apocalyptiques. Qui en oui, fait. Du coup, ils en font partie, les sabbatéens, les franquistes. Ouais, j'avais développé un peu pendant l'exposé. Mais, enfin, j'étais pas là, désolé. Ouais. Si tu veux, c'est une époque, les années 1600, où en fait tout le monde est messianiste, quoi. En fait. Parce que c'est le truc de se dire, c'est le bonheur, mais le bonheur après l'apocalypse. Et ça, quand même, c'est une vision, je ne sais pas si tu peux développer, mais c'est spécial. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que... Mais bien sûr, c'est les temps, quand on dit les temps messianiques vont commencer, c'est-à-dire que, voilà, on est arrivé à la fin du mal, et puis maintenant, il va y avoir, à un moment donné, quelque chose comme un millénaire, où il y aura du bonheur sur Terre. Bon, après, tu vois, je suis pas calé, quoi. Je suis pas non plus, voilà. Et l'ANES, si tu veux, t'es monté, si tu veux dire quelque chose, salut. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien ? Ouais, on t'entend bien, effectivement. Donc, je voulais intervenir. Bon, déjà, merci pour l'exposé, c'était très intéressant. Je voulais intervenir par rapport à juste un détail que Mehmet a souligné par rapport à l'image de sa bataille civile actuellement au sein du peuple juif et du courant sioniste. Alors moi, je suis en plein dedans. Hein. Moi, je viens d'Israël et j'ai reçu une éducation sioniste. Donc, je peux juste témoigner que Sabtaï Tzvi n'est en rien considéré comme une figure positive. C'est-à-dire que le sionisme, le messianisme chez les juifs a toujours été jugé à son efficacité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un messie n'a pas accompli ce que les juifs attendent de lui, c'est-à-dire le retour des juifs en Palestine au minimum et bon la restauration de la souveraineté etc. et puis bon éventuellement la paix universelle sur un second temps, à partir du moment où tout ça n'est pas accompli, le type est désigné comme faux messie et il est mal vu. Donc c'est-à-dire que je veux dire, moi je parle de ce que je connais dans mon entourage et dans l'éducation que j'ai reçue, le sabbatéisme est considéré comme un échec. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit converti à l'islam, même faussement, peu importe, c'est considéré comme un échec. Et d'ailleurs, c'est ça le point de rupture avec les chrétiens également au tout début de l'espérance messianique. C'est-à-dire que Jésus a également été considéré comme un faux messie par une partie des juifs qui sont les juifs que vous connaissez aujourd'hui, c'est leur continuateur, on va dire. Donc globalement, le messianisme, est, à travers la Kabbale, comme tu l'as dit, est tout à fait inhérent de la tradition juive, ça c'est absolument véridique, mais l'épopée sabbatéenne est considérée comme un échec, cuisant même. Qui a d'ailleurs traumatisé une génération et dont l'héritage qu'on a aujourd'hui, bon, on pourrait peut-être développer, mais c'est le... T'as dit le bon mot, c'est exactement ça, un traumatisme, c'est-à-dire que l'échec de Sabbat et Sévi, ça a causé un traumatisme tel... que ouais, effectivement il y a même c'est même plus que des écrits en fait, il y a ça c'est même resté dans une certaine tradition de l'oralité juive suivant où c'est-à-dire vu comme c'est un monstrueux trauma parce que du jour au lendemain ils ont été encore plus ostratisés que ce qu'ils étaient de base, ça leur a pas permis de s'émanciper beaucoup plus, ça c'est sûr. Bah, lorsque les juifs vont à fond. En tout cas, sur le moment. Ils font tapis, en fait. C'est-à-dire que quand les Juifs vivent en exil, ils vivent dans cette dualité entre
Est-ce qu'on fait partie de ce pays ou est-ce qu'on a une espérance de revenir en terre d'Israël, etc. Et donc, il y a toujours cette ambivalence qui a attiré beaucoup d'antipathie, d'ailleurs, de la part des non-juifs, à juste titre, on peut le dire, d'accord. Mais à partir du moment où ils vont dans l'épopée messianiste, ils font tapis. Et quand ils font tapis, ils montrent qu'en réalité, leur véritable attachement, c'est à la terre d'Israël et à la restauration de la souveraineté juive. Alors là, effectivement, s'ils échouent, alors, mal leur en coûte. Et Sabbat Tati, c'est exactement ça. A contrario, mais bon, vous allez me dire que l'histoire n'est pas terminée, vous aurez raison. A contrario, l'épopée sioniste actuelle a été beaucoup plus couronnée de succès. Parce que, effectivement, les Juifs ont fait tapis. Ils ont clairement montré qu'ils étaient avant tout membres d'un peuple avec un attachement à leur territoire national ancestral. Et ça a pris. Alors, avec les difficultés qu'on connaît, évidemment, pas développées, tout le monde sait ce qui se passe actuellement. Mais là, pour le coup, c'est pas l'épopée sabbatéenne qu'on est en train de vivre. C'est autre chose. Ok, excellent. Bah, écoute, merci pour ton intervention. Je vais prendre une dernière intervention et puis ensuite on va clôturer. Koba, salut, je vois que tu es monté. Salut, vous m'entendez ? Ouais, on t'entend, ouais. Vas-y. Bon, en tout cas, merci. C'était super intéressant. Et je voudrais juste poser la question, est-ce que tu peux nous recommander quelques lectures ? Même si tu as dit qu'en français, on a du mal à trouver des livres intéressants sur cette question-là, mais est-ce que tu as au moins des titres en anglais ou voilà que tu peux nous recommander? Moi, j'ai croisé le nom de Sarfati et de Franz Jacob que dans le livre, dans le Olga Tokarczuk, mais je ne sais pas, j'ai aucune idée, est-ce que c'est d'une qualité ou de vérité, d'authenticité historique, ces livres. Et j'ai tombé plusieurs fois dans les nouvelles de Michel Bachelet-Singer, mais plutôt aussi de manière négative, présentées de manière super négative. Et bon, est-ce que tu peux me recommander des lectures plus importantes et plus intéressantes? Merci beaucoup pour l'intervention. Ouais, merci à toi, merci d'être passé. Disons ce que je peux recommander comme source, évidemment, Gershom Scholem, ça, de toute façon, comme je l'avais dit dans l'exposé, c'est incontournable. Malheureusement, il n'y a pas grand chose, pour vous dire la vérité, il n'y a pas grand chose d'intéressant en français. Voilà, je vous le dis vraiment comme ça. Si je prends un auteur turc comme Cengiz Şişman, qui a pondu 3-4 livres sur la question, je crois que c'est ce qui existe de plus poussé précisément sur sa bataille civile hein, et ce qui en découle, pas sur Jacob Frank, et sur les Donmets et l'aspect sociologique des Donmets, et même aujourd'hui, et sur ce qui entourait Mustafa Kemal. Je pense que ce qu'il y a de plus intéressant, c'est Cengiz Şişman, C-E-N-G-I-Z, espace Şişman, S-I-S-M-A-N, et il a un ouvrage, deux ouvrages, je crois, en anglais. D'ailleurs, son premier ouvrage, il est d'ailleurs sorti en anglais. Je crois que ça sort d'Oxford, ce Ferrer, ouais, c'est ça. C'était donc c'est un doctorant à Oxford. Alors lui, il a une bibliographie, une archive assez colossale. Il est allé jusqu'à étudier à l'époque de sa bataille Séville tout ce qui existe en termes de prophétie à ce moment-là, qui est publié en termes de prophétie. Bref. Donc là, on a quelque chose de très complet. Il faut chercher des articles, des trucs comme ça. Mais je poserai une bibliographie très bientôt. Je vais faire un deuxième et dernier épisode sur ce sujet-là, puisque je vais développer en fait la fondation de la République de Turquie. Et le rôle des sabbatéens dans la fondation de la Turquie, quoi, en fait, de la Turquie moderne. Donc, c'est-à-dire, dans mon exposé, je me suis arrêté, en fait, dans les thèses complotistes, conspirationnistes que les Turcs exposent depuis un peu plus d'une vingtaine d'années.
sur les appartenances, les filiations, etc., entre tel et tel président, ou telle et telle personnalité, ou tel et tel politicien. Et donc, je pensais faire le ménage là-dedans et poser là aussi quelque chose de rationnel. C'est-à-dire les Sabbatéens à l'époque moderne, contemporaine d'aujourd'hui, de ce dernier siècle, disons, enfin en tout cas de la première guerre jusqu'à aujourd'hui, et donc et là-dedans en fait voilà dans ce cadre-là, je poserai des sources, des références, des choses comme ça au fur et à mesure. Je publie des fois des trucs hein, sur ma page Twitter. C'est un sujet qui revient souvent. Moi j'ai 3-4 sujets qui reviennent tout le temps. C'est les Kurdes, les Juifs. Le monde juif, hein, j'appelle ça le monde juif, de la religion à Israël, à etc., etc., le monde juif, les Kurdes, et par extension, bien sûr, la Turquie, je suis originaire de Turquie, et puis je pose des fois des considérations un petit peu politiques sur voilà généralement qui convergent un peu du côté russe plutôt que du côté américain et voilà donc voilà ça c'est un peu les sujets qui reviennent assez régulièrement mais les Sabbatéens là ces dernières semaines j'ai publié pas mal de choses je vais continuer à poser des sources en fait ce que je vais essayer de faire c'est de traduire en fait des passages du turc au français ou des choses comme ça d'auteurs turcs divers et variés en fait. J'avais fait ça par exemple, j'avais pris juste un professeur turc qui s'exprimait, j'ai pris un extrait de 30 secondes, une minute, pour montrer que le prix Nobel turc de littérature était un descendant de Dönmez quoi. Lui il en faisait la remarque et bon je l'ai repris juste comme ça pour la polémique quoi. Et donc je pose des fois des sources, des choses comme ça, donc mais je m'appliquerai un peu plus, je vais poser des trucs un peu de manière un peu plus méthodique. Alors en tout cas, bah écoutez, merci d'avoir écouté jusqu'ici, le space est enregistré, j'en ferai aussi un montage, et puis je le mettrai aussi sur YouTube, ça fera une archive, et comme je vous dis, il y aura un deuxième épisode, alors pas tout de suite, mais voilà. Et j'ai eu un retour aussi de Youssef Indy, on va réaliser bientôt un space avec Youssef Indy. J'en avais réalisé un avec lui justement sur la franc-maçonnerie dans le monde musulman et il avait abordé la question des Sabbatéens justement. Et là, on n'avait pas eu assez de temps pour la partie questions-réponses. Et donc d'ici, je sais pas, 10-15 jours, 3 semaines peut-être, on va refaire un space cette fois pour qu'il y ait plus d'interactions avec les auditeurs. Donc il n'y aura pas d'exposé, on va directement aller dans les questions-réponses. Avec Youssef Indy. Bah, je vous dis à très bientôt, bonne fin de soirée et puis bonne reprise demain pour ceux qui vont à l'usine. Je vous dis à très vite. Merci, ciao.